enfin trouvé, donc c'est un vernis. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler partenariat. Donc oui, je sais, c'est déjà le deuxième que je vous fais. Mais bon, en ce moment, voilà, j'en ai plusieurs qui m'ont été proposés. C'est le dernier pour le moment, je vous rassure. Et donc la marque Les Jolies m'a contactée il y a de ça peut-être un mois pour savoir si je voulais réaliser un partenariat avec eux. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils vendaient sur leur site. Et j'ai bien évidemment accepté en disant que j'allais donner mon avis positif ou négatif, enfin mon avis sincère en fait, sur les produits. Et c'est ce que je vais faire en vidéo. Donc il m'avait accordé un budget de 20€, soit 8 produits que j'ai juste à côté de moi et que je vais vous présenter. Donc j'ai 6 produits que j'aime beaucoup et 2 produits où c'est une déception. Voilà, donc j'ai mis, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai dit, enfin j'ai dû mettre un mois à recevoir le colis. Voilà. 1, 2, 3. Donc avant de commencer à vous présenter les produits, j'ai un code promo qui va s'afficher juste ici. Donc ça doit être ABCM10, un truc dans le genre. Je vous l'afficherai juste ici. Donc, écoutez, on va commencer par une déception. Donc mes déceptions, ce sont seulement des produits pour les lèvres. Voilà. Et donc la première déception, c'est celui-ci. Voilà, de toute façon vous aurez les gros plans des produits. Et donc c'est le Long Lasting Lip Gloss. La couleur était juste sublime. Il avait l'air de bonne qualité. Donc voici l'embout. Il est relativement grand quand même. Voilà, il était très pigmenté, à laisser sur la main, etc. Voilà, j'étais tellement contente de l'avoir reçu. Et quand je l'ai testé, c'est là que tout a changé. Donc moi et ma maman, on l'a testé en même temps. Donc sur ma maman, elle a fait une réaction allergique déjà à ce produit. Donc au niveau de l'intérieur des lèvres, ici, ses lèvres avaient gonflé. Alors que moi, pourtant qui a une peau beaucoup plus réactive, ça ne m'a absolument rien fait. Donc voilà, j'étais plutôt contente, hein, déjà vu tous les problèmes de peau que j'ai en ce moment. Donc voilà, ce produit est très agréable à l'application. En revanche, quand il sèche, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il est collant, mais genre pas le gloss qu'on peut trouver, tu sais, en supermarché, qui n'a pas de trop bonne qualité, qui colle un peu, mais voilà. C'est un peu supportable. Celui-ci n'est clairement pas supportable. Voilà. J'ai pas de mots en fait pour décrire ce produit. Quand vous l'avez sur les lèvres, il est tellement collant. Enfin, c'est genre de la glu que vous avez sur vos lèvres. Si vous faites ça, vos lèvres ne se décollent pas. Ce n'est pas une blague. Et voilà, donc je suis déçue de ce produit. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être agréable parce qu'au niveau de l'application, c'est très agréable. Mais après, tenue, etc., c'est pas possible. Et j'ai oublié de vous préciser un truc, c'est inenlevable. Voilà, c'est indémaquillable. Je sais pas quel terme vous voulez utiliser. Mais clairement, je sais pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi j'avais les lèvres enflées à cause du démaquillage. J'ai passé sans rire 10 minutes à essayer d'enlever toute la matière en fait. Ensuite on va continuer avec l'autre produit pour les lèvres. Il est comme ceci cette fois-ci. Donc voilà, c'est une autre édition. J'ai testé plusieurs éditions, plusieurs produits pour les yeux, etc. J'ai essayé de tester un peu tout pour le visage, des bijoux, des accessoires, etc. Et voilà, on en est arrivé au même résultat que le précédent. Donc au niveau de la couleur déjà, donc moi c'est la couleur, j'ai vérifié, c'est bien la couleur que j'avais commandée. Donc voilà, c'est de ma faute, mais je ne m'attendais pas à une couleur aussi
électrique. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à un rouge électrique. Voilà, donc elle est juste à côté. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc pareil, très agréable à l'application. Indémaquillable et collant. Voilà, je ne vais pas détailler beaucoup plus ce produit étant donné que c'est exactement les mêmes bémols que vous avez écoutés sur le produit d'avant. Terminé avec les déceptions, on va passer au produit coup de cœur, dont un que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit d'un vernis matifiant que je cherchais depuis hyper longtemps. Voilà, et celui-ci marche très très bien. Donc voilà, en plus, ce que j'aime beaucoup sur tous les sites chinois, c'est qu'ils sont tout simplement pas chers. On peut trouver des produits à petit prix, pas chers, des copies même de produits de très grandes marques, excusez-moi. Et donc voilà, ce produit je l'aime énormément. Donc c'est un vernis matifiant, il est en 15 ml, c'est le Born Pretty. Voilà, il n'y a pas de teinte puisque c'est le seul qu'on trouve. Et voilà, il fait vraiment très bien son job. Il est agréable à l'application et il sèche au bout de quelques secondes. On va dire que au bout de 30 secondes c'est là qu'on voit vraiment le résultat final en fait, une fois que le vernis est matifié. Donc j'ai essayé bien évidemment plus d'une fois pour voir si c'était pas ça marchait pas une fois sur deux, et ce produit marche tout le temps. Il est exceptionnel, je l'aime énormément. Ensuite j'ai mon liner qui commence à être à chaise, donc j'en ai commandé un autre. Je l'ai reçu dans une petite boîte comme celle-ci. Et il est comme celle-ci. Donc c'est un liner feutre. C'est un waterproof brush liner. Voilà, il n'y a pas de teinte. C'est écrit One Black, mais je ne sais pas si c'est ça la teinte. Donc voilà, c'est un liner feutre. Et donc voici comment il se présente. Là, il est comme ceci. Et le swatch est juste ici. Donc il est noir, intense, il s'applique très facilement, il est agréable et je trouve qu'on peut faire un super joli trait liner avec ce genre de produit. Donc voilà, si vous cherchez un liner pas cher, qui est très intense, qui fonctionne à merveille, je vous le recommande, excusez-moi. Et enfin le dernier produit de make-up, il s'agit de ce petit produit. Donc c'est un A-Color Fusion. Donc c'est le Love Alpha et donc c'est une ombre à paupières. Je vous avoue qu'au début j'ai mis le temps un peu à cerner l'utilisation, enfin la, comment vous dire, la matière de ce produit. Donc voilà, le packaging déjà est très joli comme ceci. Voilà, et je vous avoue je m'attendais à un fard déjà poudre et vraiment blanc irisé. Alors qu'en fait, non, donc quand vous ouvrez, c'est comme ceci, vous avez le petit bouchon et le petit produit. Vous avez un petit truc qui protège par-dessus. Et voilà, c'est bizarre. Enfin, vous le verrez au swatch, mais la matière est très bizarre. Et en fait, quand vous le swatchez, je ne sais pas si ça va se voir, mais quand vous le swatchez, on voit seulement des paillettes. Donc voilà, au fond ça me dérange pas parce que ça peut être très utile au niveau des make-up de soirée. On peut mettre ça par-dessus beaucoup de fards différents, pardon, puisque c'est blanc, ça passe partout. Donc au final ça ne me dérange pas et j'aime énormément ce produit. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose, donc voilà. Ensuite on va passer aux trois accessoires. Donc j'ai deux bijoux et une paire de lunettes que je vais vous montrer maintenant. Donc pour la paire de lunettes, elle est très bien, elle est de très bonne qualité. Elle est comme ceci. Donc voilà, j'adore les paires de lunettes comme ceci. Sauf que déjà quand je l'ai vue dans le paquet, je me suis dit ça va pas aller. Puisque j'avais commandé un rose et bleu, enfin rose avec des reflets un peu bleus, que j'adorais. Et je me suis retrouvée avec cette paire de lunettes. Donc la couleur ne m'aurait pas dérangé, mais en soi ça m'aurait pas dérangé si je n'avais pas les mêmes. Voilà, parce que je fais la collection de ces paires de lunettes. J'en ai une argentée, une comme ça, et je voulais une rose et bleue que je n'aurais pas puisque je l'ai reçue en la même teinte que j'ai déjà. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais bon, voilà, on fait avec. Au moins, j'ai envie de vous dire, l'autre paire a rayé, celle-là n'est pas rayée, donc voilà. En soi ça m'arrange dans un sens. Ensuite un collier donc, que j'adore.
Quand je l'ai vu sur le site, c'était directement vraiment un coup de cœur. Il s'agit d'un collier comme ceci avec des battements de cœur et un petit cœur juste ici en pendentif que je trouve mais tellement beau. Donc il est argenté, il est encore une fois pas cher. Bon alors la qualité c'est pas du histoire d'or, du je ne sais quoi de très grande qualité. Faut pas regarder les détails de trop près. Mais voilà, globalement c'est un... Enfin voilà, l'attache tient bien, etc. C'est un bon produit, je dirais, voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un autre collier, comme ceci. Donc, voilà, il faut le voir porter. Alors, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu ce truc qui n'était pas attaché, qui était tout emmêlé, ça faisait un mois que j'avais commandé, je me rappelais plus de ce que j'avais commandé comme collier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, voilà, je vais le détacher et je vais le mettre dans les conditions dans lesquelles je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Clairement. J'ai vu ça. J'ai vu la chaîne. Et déjà, à la base, je n'avais pas vu que ça coulissait sur le collier. Donc pour moi, ça restait en bas. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si on l'attache, ça donne quoi? Pourquoi c'est côté attache? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Et en fait, après, j'ai vu que ça bougeait et qu'on pouvait l'attacher là et que, bah, effectivement, ça ressemblait au truc que j'avais commandé. Mais voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, et bah voilà, c'est nettement mieux. Donc, ce collier est très joli et voilà, je le porte assez souvent quand même. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc, globalement, c'est des produits que j'apprécie, c'est une marque que j'apprécie. C'est vrai que le budget n'était pas assez... assez gros pour tester les vêtements, mais si jamais j'ai l'occasion de refaire un partenariat avec cette marque, sans hésiter je leur demanderai si je peux avoir un budget un peu plus large pour pouvoir tester des vêtements tout simplement. Bon, je suis contente de ce partenariat. Donc si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à tous à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, à me dire si vous avez déjà testé des jolies, ce que vous en pensez, etc. Et tous les produits seront en barre d'infos. Et le site également, je remettrai également le code promo en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!